Et salut à tous, c'est Codex et bienvenue aujourd'hui pour cette petite vidéo sur un nouveau Team Peak, Fort of Poison Swamp, qui était sorti en même temps que, ou quasiment en même temps que le dernier que je vous ai montré la dernière fois, où il n'y avait pas la caméra, cette fois il y a la caméra. Et donc c'est parti, on va se le faire. Donc c'est Snake Hall qui a fait ce niveau, c'est un créateur assez connu sur la communauté, il a tendance à quand même à faire des bons niveaux. Donc je pense que, sans surprise, ce sera largement un meilleur niveau que le Team Peak de la dernière fois. Ok, bon déjà c'est beaucoup plus joli. Alors allons-y. Ah putain, il y a une grenouille. On va aller parler à la petite grenouille. Eh la petite grenouille, tu nous dis quoi? Ouh! Qu'est-ce qu'elle fait? D'accord. Bon, on va commencer par le levier. Je sais pas ce que c'est que ce levier. Allons-y. Non. Oh. Ça me rappelle les visiteurs. Jour, nuit, jour, nuit. Oh putain, les visiteurs, je me fais vieux. Tac, tac, tac. Est-ce que je peux pas nager? Ok, je peux pas nager. Et s'il fait nuit, ça change quoi? Ça doit changer un truc, je suppose. Ah mais peut-être que... Ah non, je peux pas le pousser dans l'eau. On met le jour, on met la nuit. Bah vas-y, on met le jour. On s'en fout, pour l'instant ça change rien. Alors. Une grosse échelle. Mon dieu. Alors, ok, j'avais pas vu. Les petits tampons sauteurs. Ok, 1, 2. Je casse ce bois avec mon crâne. Tout va bien. Où est-ce que je... Oh putain! Le... Oh là là, vache. Ok. C'était un vélo supporteur que je n'avais pas vu. Ok, je passe par-dessus, y a pas de problème. Voilà, du fluide flottant comme on l'aime, hein, on a envie de voir de la nouveauté un petit peu. Alors, on va aller par là. Juste récupérer des bulles, y avait rien d'autre? Ok, je mets ma tête comme ça des fois que je verrai mieux. Que je puisse voir mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ok, d'accord. Je peux manger tout ce que je veux. Ok. R1, ouais. Est-ce que je peux m'accrocher au rocher ou... Ah non, c'est juste pour éviter les tonneaux. Oh, ok, j'ai compris. Décidément, les tonneaux, ils ont du succès. En fait, la grenouille veut ma mort. Ça passe pas, ça? Si, ça passe. Qu'est-ce que c'est que cette tête de mort qui se balade? Ah, d'accord. Oh, d'accord. Oh, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien. Oh là, attends, 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 attends. Doucement. D'accord, très bien. Jusque-là, ça me va. Le petit tour qui va bien. La bubule en dessous, bon, hein, on s'en fiche. D'accord, c'est pour revenir au cas où je descends. Ok, très bien. Ah bah en fait, on va aller prendre la bulle alors. Ok. Non, 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 non. Tout ça pour une bulle, vous voyez? Il fallait pas que j'aille la chercher. Allez, j'ai la bulle. Je remonte à la méga échelle. Et je vais... Ah oui, je vais là. Ah, un courant vers le haut. Alors, attends. Oh. Oh, sympathique. Il y a du courant vers le haut. Très bien. Je comprends pas. Ah, si, ça y est, j'ai capté. Je suis allé trop vite, en fait. Je les vois, là. Il faut que je descende ces trucs. Yes. Oh, merde, je l'ai remonté. J'y crois pas. Hop. Allez, tu descends. Toi, tu descends aussi. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, voilà, c'est quand même vachement plus original que celui qu'on avait vu l'autre fois. Voilà, ça j'aime. C'est pas un placement de produit. Ok, R1, parfait. Ça a lâché tout seul, ouh là là. Je me méfie là, ça sentait le traquenard. Ok, la bébule. On évite les pipiques. Très bien, très bien. Pourquoi j'avance pas? C'est passé quoi? Je me suis raté. Ah oui, ok, j'avais pas vu la petite pente. C'est là qu'il fallait que j'aille. Oui. Ouh. Ok. Tiens, on va chercher la grosse bulle hein, maintenant qu'on y est. C'est ça. C'est ça le piège en fait. On en prend une, on a envie de toutes les prendre après. Très bien. Oh, j'adore le chevalier derrière. Un grand costaud comme ça, ça ne peut avoir qu'une petite voix. Très bien. Encore une bulle ici. Est-ce qu'il y a quelque chose caché ici, là? Ah, non. Juste un tampon sauteur qui te fait dégage. Ok. Ah oui, d'accord, c'est du sable qui tombe. Ouh, fallait comprendre. Mais très bien, mais ça se balade tout seul, tout ça, là. Je pourrais presque lâcher manette. Oh là là, excellent. Allez, hop, prends ta douche. Ça, c'est intéressant comme système. Ouais. Oh là là, encore un des... Ah, les vils tonneaux, hein.
Ah oui, c'est bon, j'ai eu du fun, je suis content. Je peux quitter le niveau. Hein? Ah, ce troll. En plus, il te met des bulles. J'y crois pas. Ah ouais, du coup, j'ai hésité à sauter, j'ai fait un petit saut de merde. Allez, hop. C'était un grand saut, ça. Allez, j'ai la bulle, je saute. Très bien. Oh, oh, oh. Oh, elle tire la langue. Ok, bah je suppose que la bave de la grenouille va me tuer. Je vais pas rattraper ma bûche. Ah. Il s'en est fallu de peu. Ah bah voilà, bah je peux rester dessus, parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste un obstacle, très bien. Si je le touche... Non, c'est bon. Je crois que je l'ai frôlé, ça m'a pas tué. Tout va bien. Ah! Non. C'est pas mal, c'est pas mal. Les murs sont un peu droits, vous savez, mais bon, on peut dire que c'est un style, hein, c'est pas mal. Encore des tonneaux qui viennent de l'arrière, mais enfin, faut arrêter les mecs. Ouh, j'y suis allé, oh là là, j'y suis allé complètement à l'arrache. Et c'est passé, heureusement. Je crois reconnaître des décorations, celle qui est derrière moi, là, du pack préhistorique. Qui était sur Little Big Planet 2, si vous vous souvenez. D'accord. Ah, ah, d'accord. Et je vais dedans, comme ça, non? Oh! Oh, d'accord! D'accord, d'accord. Bon, bah très bien. Très bien. Une bulle. On pourrait croire que c'était le tonneau qui était explosif. Alors, non, c'est une ampoule, ce n'est pas une bulle. Attention. Ah, ça, j'aime bien le coup du canon, c'est rigolo. Ok, du fluide flottant, ça faisait longtemps. Il y a quelque chose là à gauche. Je le vois qu'il y a quelque chose. Bon, on va dire que c'est pour après. Ah bah oui, il y a un canon. Ah bah il s'est tourné tout seul en plus. Allez, bim. Allez. Music by Frog and Knight. Ok, d'accord, ça se lit de droite à gauche, tout va bien. On se croirait dans un manga. Oula. Oh, j'avais pas vu que j'étais dans l'eau. J'ai cru que l'eau était sur le plan de devant. D'accord. Ah, un problème de perspective, disons. Ok. Bon, ça sent la fin, je pense qu'il a mis une musique par machin truc. Oh, la bulle. Ah, j'en ai eu deux au début, mais il me les faut toutes maintenant. Ok, on commence par la gauche, on va dire. Secret Battles. 9 sur 10. Oh merde, j'y crois pas, j'en ai raté une. Non mais, dis-moi qu'elle est cachée là, à gauche là. Ah non, vous l'avez vu vous? Si vous l'avez vu, mettez-les moi dans les commentaires avec le temps de la vidéo au moment où je l'ai raté, s'il vous plaît. Ah la vache, bon bah, c'était très sympa comme niveau, bien meilleur que la dernière fois, je suis super content. Et j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude je vous mets le lien du niveau dans la description si vous avez envie d'y jouer. À la prochaine, ciao, soyez sages.